Good morning, allez, Iden, et tu seras aujourd'hui le lundi matin. Moi, Miona Ben Khanapi, qui va tester Nissim Ben Naouda, Michel Novikov, et aussi l'Irfouat Rout, Bat Claudine Taina, Simcha Bat Masoudia, et Fat Mayan Bat Labtor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Nimcha, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet Edouyot, Perik Vav, Mishnah Aleph, Rabbi Yehuda Ben Bava, Heid Chamisha Devarim, Shememaanim et Aktanot, Veshamasiin et Aisha al Piyad Echad, Veshniskal Tarnigol Birushalayim al Shaharag et Anefesh, ועל היין בן 40 יום שנתנסך על גב המזבח, ועל תמיד של שחר שקרב בארבע שעות. On continue, Maserhet Edouyot, le principe essentiel, le but de Maserhet Edouyot, c'est de rapporter des témoignages de Tanaïm sur des choses qu'ils ont vues. La halakha a été fixée cette fois-ci, comme tous ces témoignages qu'on va voir, en partie. Et donc, avec Rabbi Yehuda ben Bava, qui était entre parenthèses un des Asara Arugei Malchut, Rabbi Yehuda ben Bava qui a témoigné cinq choses, cinq halakhot particulières. Il est venu raconter qu'il a vu dans sa jeunesse, et nous, pour nous dire que la halakha elle est établie comme ça. Premièrement, Shemema Anim et Aktanot. Littéralement, c'est que l'on fait. Lema en, ça veut dire refuser. Donc, on apprend à faire resurer, refuser, c'est factitif. Ouais, la forme Leha Asot, Machéo, faire quelque chose. La forme factitive. Donc, Shemema Anim et Aktanot, on apprend à faire refuser les Ktanot, les petites. De quoi on parle précisément? Un sujet qui nous rapporte dans Seder Nashim, une femme, une fille, une petite fille, le père a un droit de marier sa fille à qui le veut. C'est un droit spécifique au père, c'est-à-dire, même, bien que la fille n'ait pas encore 12 ans, qui est la majorité, peut être une Nahara, même 12 ans et demi, Nahara, Bogeret, il y a deux limites, en tout cas, bien que la fille n'ait pas, elle, en droit de se marier avec quiconque, elle n'a pas de date, elle ne peut même pas acheter et vendre des choses selon la Torah, elle n'est pas considérée, elle n'a pas assez de sechel, de date. Malgré tout, le père a un droit de marier sa fille, il peut décider de la marier à quelqu'un, elle se marie. Lorsque le père décède, en théorie, la fille n'a aucun moyen de se marier. Dès lors, un père qui décède, il a laissé une fille qui a 7 ans, 8 ans, il n'a aucun moyen de marier cette petite fille tant qu'elle n'aura pas 12 ans, que ce sera elle qui décidera de se marier. Chachamim sont venus pour plusieurs raisons et ont instauré que l'on peut marier une petite fille malgré tout. Qui ? Sa mère et ses frères. Même si selon la Torah elle ne sera pas mariée, Midrabanan ils ont instauré de pouvoir la marier, ils ont donné ce droit aux frères et à la mère de marier la sœur. D'accord. Donc c'est un mariage qui n'est que Midrabanan. Puisque ce mariage n'est que des Rabanan, Chachamim ont laissé la possibilité à cette fille. Lorsqu'elle atteint sa majorité, elle va atteindre 12 ans, alors elle va aller devant le Beit Din et elle aura le droit de refuser le mariage en disant que ça ne lui convient pas. Elle refuse devant le Beit Din et le Beit Din lui dit ben c'est bon, t'as annulé ton mariage. À la différence d'une femme qu'on l'on marie et que si on veut mettre un terme, on la divorce. Donc il y a une période où elle a été mariée, une période où ça s'arrête le mariage et désormais elle sera divorcée. Et bien pour la fille, regardez, on déracine rétroactivement. C'est-à-dire on la marie quand elle a 8 ans, elle passe 9, 10, 11, 12. Si à 12 ans elle va décider de refuser le mariage, ça ne lui convient pas, ben on va dire qu'elle n'aura jamais été mariée. Elle aura vécu en concubinage avec ce monsieur. D'accord ? Ça, c'est le din de ce qu'on appelle le mi'oun. Ouais, pas le trader mi'oun de l'hôpital. Le mi'oun, c'est qu'on apprend à faire refuser. Maintenant, là, on parle maintenant d'un cas particulier de Maserhet Yevamot. Il y avait Réhouven qui s'était marié avec cette petite fille, donc marié par son frère, par ses frères et sa mère. Donc, c'était sa femme Midrabanan. Le frère de Réhouven, Shimon, il était marié à la grande sœur de cette petite fille. Et il s'avère que Shimon est décédé sans enfant. Donc maintenant, Réhouven, il a devant lui une Yevama, la femme de son frère Shimon, qui est aussi sa belle-sœur du fait qu'elle est doublement sa belle-sœur. C'est la femme de son frère qui est mort sans enfant, donc il a la misère de Yiboum, mais c'est aussi la sœur de sa femme. En théorie, si c'était sa vraie femme Minatora, alors cette femme-là aurait été libérée complètement parce que c'est une Tsarat Erva. D'accord ? Cependant, c'est ce qu'on avait appris, on a déjà évoqué le principe dans la Mishnah précédente. Cependant, là, puisque sa femme n'est que Midera Banan, alors ça signifie que selon la Torah, sa vraie femme à marier, c'est l'autre sœur, c'est sa belle-sœur, la femme de Shimon. Mais seulement il y a un problème, c'est que Midera Banan, t'as une femme Midera Banan qu'on considère que c'est ta femme, donc tu ne peux pas te marier avec ta belle-sœur. Alors, Rabbi Yehuda Ben Bava vient et nous dit, tu sais ce qu'on va faire ? On va appeler cette petite fille.
on va lui apprendre à faire le mi'oun. On va lui dire, c'est kedai pour toi de refuser ce mari. Regarde, il a un gros nez, il est moche. On va lui dire, je sais pas, est-ce qu'on va lui, honnêtement, malhonnêtement, comment est-ce qu'on va faire, mais en tout cas, on va la convaincre de refuser son mariage, de manière à ce qu'elle va, elle va déraciner complètement, donc rétroactivement, ce mariage des Rabbanan, afin qu'ensuite, Réhouven pourra se marier avec la Yevama, Shimon, et lui faire la misa de Hiboum, d'accord? Pire que ça, même si Réhouven se met à lui faire la Khalitsa, il ne pourra plus rester marié avec sa femme, parce que maintenant, cette femme-là, elle est devenue la Achot Khalutsato. Donc, on va l'expliquer à la petite fille, on va lui dire, écoute, de toute façon, t'as rien à gagner. Maintenant, t'es en situation bloquée. Si déjà, retire-toi poliment et laisse Réhouven accomplir la mitzvah avec la grande sœur. D'accord? Ça, c'était pour le Mema'anim et Taktanot. Veshemas Masi'in et Aisha Alpi et Echad. Là, on est dans la deuxième partie de Masechet Yevamot, où il y a ce qu'on appelle le Heter Agunot. Vous savez bien, selon la Torah, lorsqu'une femme est mariée, le seul moyen de la libérer, c'est soit qu'elle reçoive un guet, qu'elle soit divorcée, soit que son mari meure. Et là, c'est la grande lutte. Parce que c'est là tout le fameux problème des agunot, des femmes qui se retrouvent plantées sans recevoir de guet, sans savoir parfois si le mari est mort. Il y a eu récemment encore, quand il y a eu les attentats du 11 septembre, il y avait là-bas des juifs qui sont parvenus. Quelqu'un les a vus, quelqu'un ne les a pas vus. C'est un grand sujet. Comment est-ce qu'on peut, pour pouvoir libérer la femme et lui dire que son mari est mort, il faut en théorie, selon la Torah, nécessairement avoir deux témoins. Et moins que deux témoins, on ne peut pas la permettre, cette femme. Deux témoins qui n'ont pas vu mort. Or, aller chercher les morts dans les décombres, c'est très compliqué. La même chose après la Shoah, il y a eu des graves problèmes. Des femmes qui se retrouvaient, c'est pas parce qu'elles avaient un mari, elles n'avaient pas de mari, elles ne peuvent pas se marier. Si elles ont été, d'accord, si elles ont été mariées avant la Shoah, eh ben, après la Shoah, elles retrouvent un mari, pas de nouvelles. Logiquement, très probablement, il est mort. Ça suffit pas. Il y a plein de... C'est un grand sujet de halakha, comment permettre une femme. En tout cas, on a aussi une halakha particulière qui a été faite. Un décret spécial qui a été fait, que Chachamim ont cru un seul témoin. Bien que selon la Torah, toujours il faut deux témoins. Al Pishnaï Medim et Akum Davar, il faut toujours deux témoins. Eh ben, pour le témoignage, spécialement de permettre la femme, Chachamim ont permis de croire un seul témoin en se fondant sur le fait que la femme, elle est assez rigoureuse et elle a assez peur de se remarier alors qu'elle avait en fait son ex et de risquer d'avoir des enfants en mamzerim, des bâtards. De ce fait, on va dire que la femme, elle a, même s'il n'y a pas eu de témoignage, elle a assez posé de questions pour être persuadée que c'est vrai ce qu'elle est en train de faire. Donc on pourra se fonder sur un seul témoin. D'accord? Littéralement, on refait dans les mots. Chez Masi'in, c'est que l'on peut faire marier et Aïcha, une femme, Alpi Adéchad, sur le témoignage d'un seul témoin. Autre halakha maintenant, Veshnistkal Tanegol Birushalayim Al-Shehara Gatan Nefesh. Ça nous rapporte à Sanhedrin cette fois-ci. On avait appris que lorsqu'un animal tue, alors il faut lui aussi. Sanhedrin, on ne va pas commencer à en parler. Lorsqu'un animal tue, un taureau qui en corne, par exemple un homme, alors il y a une mitzvah d'être sokel auto, de le lapider. Alors maintenant, dans la Torah, il y a marqué Shor, un taureau. Est-ce qu'on va prendre pour tout le bétail, est-ce qu'on va prendre pour les animaux sauvages, est-ce qu'on va prendre aussi pour les volailles, et bien effectivement, ça va être rigolo de devoir faire la skila de lapider une volaille, un oiseau, imaginez que c'est un pigeon, en tout cas, premièrement, Veshéniskal, il y a écrit dans le Mishnah, Veshéniskal Tarnégol, qu'on a lapidé un Tarnégol, un poulet, un coq, Birushalayim, à Yerushalayim, il y avait eu là-bas un Tarnégol qui avait fait quoi? Al-Shehara Gatanefesh, qui avait tué un homme. Comment il avait tué? C'est assez atroce. C'est qu'en fait, il y avait un petit bébé. Et le poulet, il est parti, il lui plantait le bec dans la tête, il a voulu manger sa cervelle. D'accord? Le chéniker, moach hatinok, il a perforé le moach d'un bébé. En tout cas, il nous rapporte à Biuda ben Bava, qui avait eu là-bas, on avait lapidé ce poulet, ce coq. On l'avait pris donc, sûrement j'imagine qu'on devait lui attacher les pieds et les ailes, pour ne pas qu'il se mette à battre et à amortir la chute. Et on l'avait jeté, et il est tombé sur la tête, et il est mort ainsi. D'accord? Ensuite, cette fois-ci, ça nous rapporte à Menachot. Il y a la misa du Nisuch Ayayin, peut-être même Zvachim. Et la misa du Nisuch Ayayin. Lorsque l'on a fini, dans la plupart des korbanot, comme on dit à Rosh Chodesh, Yayin Kenisko, on dit là-bas dans les korbanot, Shitayin, Veitayin, Chatsiayin, Beniskem, Chatsiayin, Veitayin, et donc là-bas, à chaque fois qu'on apportait pour la plupart des korbanot, lorsqu'on les apportait au Beit HaMikdash, il fallait aussi verser du vin. La Torah elle a dit du vin. Du vin, c'est quelque chose, une boisson alcoolisée. Donc, pas du jus de raisin.
Alors maintenant, je ne connais pas assez le tahalir, le processus, comment le jus de raisin devient du vin. Mais en tout cas, après 40 jours, ce vin-là, c'est ce qu'il nous apprend ici, va la yain ben arbaim yom, sur du vin qui a été enfermé pendant 40 jours, une fois qu'on a fini de le, donc de, d'écraser et de presser le raisin, alors on le met en, dans le gat, et là-bas on le laisse pendant 40 jours. Je ne sais pas comment ça se passe, si on ferme, on ne ferme pas. En tout cas, après, il a commencé à devenir du vin, et bien il est déjà suffisamment bien pour pouvoir l'apporter, en faire un issour au misbeach. D'accord ? Et aussi, dernière halakha qui nous témoigne, Vala tamid shel shachar shekarev be'arba sha'ot. Sur le korban tamid, l'holocauste quotidienne qu'on apportait deux fois par jour, une le matin et une après-midi, en fin d'après-midi, Olat tamid à Souya Bersina, là-bas dans le korban, dans les korbanot, on le lit, sur le tamid shel shachar. Alors maintenant, la Torah insiste, ouais, de dire un le matin et un le soir. Qu'est-ce qu'on appelle le matin ? S'il y a eu un incident qu'on n'a pas pu apporter le korban tamid et qu'on réalise à midi par exemple, on réalise qu'on n'a pas pu le faire, justement, on n'a pas pu apporter ce korban. Le korban tamid, on n'avait pas de tlaïm, on n'avait pas de mouton au Betamigdash. Jusqu'à qu'à la fin, à la sixième heure, on a trouvé un mouton. Est-ce qu'on pourra le faire? Sixième heure? Non. Mais par contre, il nous apprend que le tamid shel shachar, le tamid, donc le korban tamid du matin, chez Karef Be'arba Shaot, il y avait eu une histoire à son époque, lorsqu'elle était plus jeune, donc il raconte qu'il y avait une fois, ils n'avaient pas trouvé de tlaïm au Betamigdash, jusqu'à qu'à la fin, ils ont trouvé qu'il y a une halakha spéciale, c'est que le mouton, il faut nécessairement qu'il soit surveillé pendant 4 jours. Un digne de bicour, ça s'appelle. En tout cas, ils ont finalement trouvé, à la quatrième heure, ils ont trouvé là-bas le mouton pour pouvoir lui faire le faire encore ban tamid, et ils l'ont apporté. Parce que 4 heures, la quatrième heure, c'est encore considéré comme le matin. D'ailleurs, halakha les massé, qui ont déduit de là, c'est que celui qui n'a pas eu le temps de faire la tefila selon halakha strict si on peut dire, l'échatrila, la tefila du matin, elle devrait être honnête au petit matin. Et on est jusqu'à la quatrième heure, justement, c'est déduit de là, puisque c'est la quatrième heure, comme le korban tamid. Le korban, la tefila du matin, on l'a fait en corrélation avec le korban tamid qu'on a porté le matin. De ce fait, on est aussi jusqu'à la quatrième heure pour prier l'amida, finir même l'amida jusqu'à la fin de la quatrième heure solaire. Ouais, on prend la journée depuis le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. On sépare ça en 12, ça, chaque unité, ça va faire une heure. On rajoute comme ça 4 heures depuis. Et ensuite, on va arriver, donc c'est quoi ce qu'on appelle la quatrième ? La quatrième heure, c'est indiqué dans les calendriers. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Selah.